Yo, salut à tous les gars, bienvenue sur Certifié, ah oui mon gars, Certifié par la Street les gars, deuxième partie de l'album Grand Monsieur. Donc là, j'espère que vous avez aimé la première partie, je suis vraiment désolé, c'était long la première partie, mais là, la deuxième partie, on va essayer d'être... Ok? Mais on est là pour voilà, donner notre avis, analyser les morceaux, analyser l'album, et voilà, j'espère que vous allez bien. Et avant de te poser, mon gars, tu sais ce que tu dois faire? Pose ton pouce bleu. Eh ouais, mon gars, je t'ai à l'œil. Toi, tu me regardes, mais tu poses pas ton pouce bleu, enfoiré. C'est pas bien de tricher. Frérot, donne-moi la force, mon ref. Hey, donne-moi la force, mon poteau. Ah! Ça va ou quoi, mon bouc? Toujours là, hein. C'est toujours là, Ouais. hein? Ah, ok. Vas-y, vas-y. Alors, du coup, là, on attaque deuxième CD. Du coup, c'est Génération Rof. Ah, poteau. Génération Rof, mon pote, on a grandi sur du Rof, donc, hein? Déjà, ça, c'est des soins à l'ancienne, ça. Non, c'est Non? pas, ça veut dire en gros, il a fait un morceau, ça veut dire en gros, c'est les gens qui ont grandi avec du rof. T'as capté ou pas? Moi, je pense que là, il a fait un morceau pour les gens qui ont grandi avec du rof, quoi. Tu vois, en tout cas, il l'a fait pour son public, en tout cas. De toute façon, en général, quand il fait un morceau, quand il fait des sons, il fait pour lui, mais il pense à nous aussi, tu vois. Allez. Je sais pas nous prendre. Moi je juge pas les femmes à seul. Et je suis pas homophobe. Qui espère de mes ventes. Fuck le top et fuck. J'arrive toujours avec le fuck sur Spotify. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien celle-là. Qu'est-ce que t'en penses là, gros? Moi je veux faire mon froc. Ah, il baisse pas son froc. Moi aussi je baisse pas mon froc. Eh gros, moi je dis que là, frérot. Là, tu vois déjà le premier CD. Il nous avait une claque. Et là, deuxième CD, je pense que là, c'est pas une claque, là, il va nous baffer, C'est une patate. là. Ah là, gros. Ouais, là il parle des générations, en fait des générations rof justement, parce que là il a parlé des testaments, il a parlé des générations, tu vois ce que je veux dire quoi, génération sacrifiée, la puissance, il a parlé des, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ouais là il est en train de parler, c'est pas que c'est classique en fait, en gros il est en train de vraiment parler des sons marquants, t'as capté ou pas? Sévère, tu vois. 94 pour les gros, les petits torses, 94. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, non, mais c'est ça justement. Là, il est en train de parler des ouais, générations rof, en fait, c'est ça. C'est génération héros des F, mon pote. Tu vois, là, il est en train de... Voilà, là, l'autre, tu vois, un message à la racaille. Là, il est en train de parler justement de ses morceaux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est justement, on a grandi sur ça, tu vois ce que je veux Chaque dire? morceau, on dirait, il dit un truc du morceau qu'il a écrit. Justement, voilà, qu'il a écrit. Justement, c'est ça. Encore un soldat de Vitry. Comme on baisse tout le monde. Ça, c'est dans quoi ça? On respecte tout le monde, comme on baisse tout le monde. Popopopopopopotai. Il y a du son. Ah, ça c'est sévère. Tu vois quoi? C'est sévère, le morceau sévère. Check flow, ça c'est en mode. Je rappe trop bien. Ouais, c'est en mode. Ça c'est en mode. Mais c'est quoi ça? L'expression du malaise, Cassos music, Cassos life. Cassos for life, machin, tout ça. Ah oui, pour une dinguerie. Quel gars. Pas pour si j'y tue. Relation. La vie continue. Eh gros, ce morceau-là, la vie continue, frérot. Oh lolo. Ce son-là, gros, je sais pas si tu te rappelles de ce morceau.
Je suis né poussière et je partirai poussière. Et soleil se lève. Lèvera en même temps que la poussière. T'étais là devant moi, on parlait des Yarabi quand tu commences à faire la IRP. Hein, gros. Après, quand il dit la vie continue. C'est comme testament, ça. Non, testament, c'est un délire, mon rêve. T'es fou. Testament. Testament, c'est un délire, frérot. Mais la vie continue, frérot. Ça, c'est un truc. Ah, ça, c'est quoi, avec Kerry James derrière lui qui... Ah, ça, c'est regretté. Ah, moi, ça que je t'ai parlé tout à l'heure, quand je t'ai dit, c'est là aussi, il pensait, il dit vraiment tout ce qu'il a sur le cœur. Ah non, 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 regretter, c'est. Il parlait à ses morts, il parlait à tous ses potes qu'il a perdus, tu vois, des trucs comme ça, la famille, machin et tout. Ouais, mais là, là, la vérité, moi, franchement, la vie continue. Ce morceau-là, il m'a frappé. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a. Franchement, je te conseille, dès que tu rentres, écoute, la vie continue. Tu veux jouer le show, t'auras jamais dernier. Ah, il y a un jour, tu sais pas quoi, mais la vie continue. Tu fais pleurer la maman. Voilà, tu vois, c'est ça, tu vois. Voilà, c'est un bail comme ça. Narzlatana. C'est mon son, ça. Narzlatana. Là, c'est Mortier, là, Mortier avec Guy Pic. Attends, c'est qui c'est? Gepekenu. Tu connaissais Gepekenu? Ouais, c'est qui ça, Gepekenu? Je pense que ça doit être... Par contre, la prod, elle est énervée. Celui-là, il est énervé, mon pote. Celui-là. Le calif, si tu le sors, faut pas hésiter. Le calif. C'est comme Oriano. Italiano. C'est comme Oriano. Papa, il travaille. Tu peux aller là-bas, papa, il travaille. Papa, il travaille. Va là-bas, mon calif. C'est les aléas, les gars. Papa, il travaille. Je suis en train de travailler. Ma fille m'appelle en même temps. Non, oh, il est vénère. Oh, il est vénère, frère. Tiens, on revient comme ça, frère. C'est comme Oriano. Italiano. Là, je suis juste en train de guépé Kenyo pour voir. C'est qui lui? Il est énervé, hein? Ouais, on comprend pas bien ce qu'il dit, mais moi j'aime bien, moi. En tout cas, son flow là. Du brésilien au portugais, ça va? Hein? Brésilien au portugais, non? Je sais pas, frérot. Non, je pense que c'est l'Italie. Je pense que ça doit être là-bas, en Italie, là-bas. Parce qu'il a dit comme Oriano, l'italiano, ouais, bah ça doit être un italien. Ah bah, ouais, je pense. Du coup, là maintenant, on va écouter Flemme. On va écouter Flemme. C'est là? Non. Là-bas. Hein? C'est un générique. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? La flemme de tout là. Ah, il a la... Non, c'est même pas question de flemme, mais. Flemme d'aller au procès, me faire menoter. Flemme courir après son boule, chose de fierté. Flemme la déposer, me reposer. Mon vie doit pas poser. Flemme de blablater, je vais croiser. Flemme faire la paix et la serrer la main. Flemme. Ouais, ouais, gros, il a la flemme de tout là. Là, t'as le procès de me faire menoter. Là, je comprends. Ah, flemme, là, là. Je... Ça te parle. Ah, ça lui parle, frérot, l'enfoiré. C'est son bruit de gamin, c'est que tu manges des gros. Oh, elle veut son, elle veut son, elle veut son. Allez, after, il comme frais, ouais. Et je vais plus retourner, bouffer, frais. T'as fait comme frais. Je vais pas retourner.
retourner, cousin. Il est traumatisé, frère. T'as raison, faut pas retourner là-bas. Reste là, mon gars. Reste libre, mon pote. Comme ça, tu vas. Parce que là, le concert, là, faut que ça soit une tuerie. Parce que là, c'est un double album. Donc, ça veut dire, gros, c'est même pas 3 heures, là, tu vas faire. Là, c'est 6 heures, mon pote. Tu vas faire. Là, c'est 6 heures, mon ref. On est là. Eh ouais, gros. Du coup, là, on va écouter l'expérience. Mais d'ailleurs, tu m'as pas dit Flemme, alors le morceau Flemme. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il est bien. Il est lourd, hein. Il est énervé. Hein. Même s'il a la flemme, il est bien. Même s'il a la flemme. Tu penses qu'il avait la flemme de l'écrire? Non. Du coup, là, maintenant, on va écouter l'expérience. Ah, avec Gims. Ok. Là, je pense qu'on va être dans le délire Zumba, café, oh. Zumba. Tu vois, bah. Là, je pense que. Eh, les gars, c'est pas. Non, quand je dis Zumba, parce que t'as vu, c'est Rof lui-même. Il avait dit que Maître Gims, il faisait. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque. Quand ils étaient un petit peu, quand ils sont un petit peu chamaillés, tu vois, c'était pas méchant. Mais avec Gims, je pense que ça va être un autre délire, tu vois quoi. Est-ce que Gims, il va, à ton avis, Gims, il va... Gims, il sait se... Il est manger, mais voilà, ça ouais. Il sait s'adapter à tout. Voilà, ouais. Mais tu penses que Gims, il va kicker ou il va faire le refrain? Non, je pense qu'il va faire les deux. Il va faire les deux? Ouais. Vas-y, vas-y, on va écouter. C'est sûr, si c'est invité, je pense qu'il va faire les deux. Non, non, mais ce que je veux dire, parce que Gims, faut pas croire, hein. Parce que les gens sont là à les dire, nanani, il fait la variété, gros, mais quand il kick, poto, c'est un autre délire. Hein. C'est un vrai artiste, hein. Avant ça, c'était un mec dans la rue. Ah, c'est. Ah ouais, mec. Freestyle, freestyle. L'expérience, mon pote. Ça me tient qu'à toi, fais le premier pas, toi, reste près de moi, saute dans mes bras. Là, il fait comme. Un mec là, l'américain. Guaza, gua, 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 na, 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 gua, gua, wa, na, 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 na. Ça te parle pas? C'est un américain, frérot, un mec bizarre. J'ai oublié comment il s'appelait d'ailleurs. Si, si, c'est le mec qui a commencé à mettre des teintures, à faire des bails, machin, tout. Obligé. C'est Snake? Hein? C'est Snake là? Non, 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 non. Je crois que c'est Cisco, il s'appelait le mec. Je crois Cisco, je crois. Tintin. Ouais, faut que je regarde, mais je crois que c'est ça. Ouais, Bruto. T'as vu ce son là? Ouais. Moi j'aime bien Maître Gims, t'as vu? Et j'aime bien Rof. Qui se ressemble, s'assemble. Les deux abonnés vont très bien ensemble. Mais là, juste la prod, elle est énervée. Après, tu connais Gims, il a une voix de taré, mon ref, tu vois, il a une voix de ouf. Donc ça veut dire que c'est un mec qui peut s'adapter à tout. T'as capté ou pas? Comme je dis, il s'adapte à tout. Mais ouais, gros. Et là, pour le moment, le refrain, tu vois. Moi, je vais juste écouter le couplet de Rof pour voir. Tu parles de mon langolais, oh, tu me sens qu'une beauté, je connais. Tu vois, ça c'est un morceau pour ambiancer. Tu veux snapper, genre on se connaît. Non, mais tu vois, ce morceau là, la vérité, hein, pour moi, tu vois ce que je veux dire? Celui-là il va tourner dans les boîtes. Mais le délire, les gens ils vont parler. Sur ce morceau, ils vont critiquer de ouf. Mais tu verras, ils vont s'ambiancer en boîte. Ouais, parce qu'ils vont dire, oh, il est pas dans ça, de base, ouais. Comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Après là, moi je dis, franchement, ça me dérange pas. En fait, ça me dérange pas dans le délire, c'est quoi? C'est parce que Rof c'était quelqu'un qui était. Pour moi, il était pas ouvert. En fait, il était pas prêt. Genre, en fait, en gros. Pour la vague, en fait, ce qui s'est passé, tu vois ce que je veux dire? Pour la trap, l'afro, tu vois, l'afro-trap, machin, tout. Tous ces trucs-là, je pense que Rof, il n'était pas dans ça, tu vois. Et là, le fait qu'il fait des morceaux comme ça, déjà, genre, comme bah, ça, là, l'expérience, voilà, bah, justement, c'est l'expérience. C'est ça. T'as capté ou pas? Parce que là, il s'est lancé dans un délire que moi personnellement, je ne vois pas. Il essaie de faire du commerce, commercial. Il essaie de faire pour tout le monde. Là, la vérité, pour moi, je ne le voyais pas, tu vois. Mais là, ça passe, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, donc ça veut dire qu'il est ouvert en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas fermé. Là, ça y est. C'est le genre de truc en fait. Genre, je pense qu'il a compris. Bah, c'est pas qu'il a compris trop tard. C'est juste parce que lui, il a une ligne directrice. Ça veut dire en gros. Tu vois, c'est pas un mec. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un suiveur. T'as capté ou pas? Lui, c'est pas un suiveur. Lui, il a son chemin. Ok, tu veux aller tout droit. Vas-y, lui, il va prendre la droite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça. Et là, vu que maintenant il a fait un truc comme ça, l'expérience. Là, c'est l'expérience, gros. Là, il a tenté un autre terrain et il est dedans. Tu vas se venir ou pas, mon ref? Ouais.
Gibbs, il est dans un autre délire, il est dans un autre code, il est dans un autre monde. Et là, j'ai appris que Gibbs, il va avoir son truc, propre émission là, avec sa femme à la télé. Donc, ouais, ça va être un délire. Ils vont inviter des personnalités, tu vois ce que je veux dire? Genre, ils vont faire à l'américaine, tu vois ce que je veux dire? Et là, la vérité, le morceau, franchement, Gibbs avec. Et moi, depuis longtemps, j'attendais ça. Gibbs Roff, la vérité. Même moi, la vérité, le morceau que j'attends le plus, c'est Caris Boba. Qu'est-ce que je veux dire? Caris Roff, tu vois ce que je veux dire? Roff Caris. Parce que déjà, genre, en fait, en gros, tu vois, genre, dans Surnaturel, Surnaturel, poto, t'attends un petit peu la voix de Caris, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais plus c'est dans quel morceau. Les gars, si vous trouvez le morceau, je sais pas c'est quoi, mettez-le dans le com comme ça, tu vois. Mais la vérité, genre en fait, t'attends vite fait Caris derrière, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, j'avais entendu parler qu'ils allaient faire un feat. Et là, je sais pas, le feat, il est pas à l'arrière. Moi, je vais voir Rof Caris en vrai. Voir ce que ça donne, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça va être une dinguerie. Et la vérité, moi, en plus, il y a ça, bah déjà Caris. Mais je vois Rof avec Clash Criminel. Et je vois Rof avec Ninho. Oh là là, les deux là, je pense que ça va être dinguerie. Les gars, je sais pas si vous pensez la même chose que moi. La vérité, j'aimerais bien, moi, personnellement, j'aimerais bien voir Rof avec Caris. J'aimerais bien voir Rof avec Clash Criminel. Rof avec Ninho. Et Rof avec qui Maes. encore? Mac Tailleur. Non, plus Maes. T'as vu les genres de Maes, eux sont enfoirés, des trucs comme ça. Ça varie, hein. C'est des mecs comme Rof, t'as vu. Ils aiment bien, par exemple, ils font des sons, ils vont faire bouger des mecs, mais ils vont faire des sons, ils vont faire pleurer des mecs. Comme Rof, c'est pareil, ça varie. Eux sont Ouais, forts comme je ça. vois ce que tu veux dire. Mais Rof Maïs, tu penses ça va le faire un jour? Je pense pas. Non, Je je pense sais pas pas, tu s'ils vont le sais. faire un jour, Non, mais mais. tu sais pourquoi je dis ça, moi? Parce que déjà, Maïs, c'est le petit de Booba, tu vois pas? Et là, s'il fait ça, c'est une overdose pour Booba. Après, mais c'est pas un sujet, hein. Ah, ça l'a toujours dit. Frérot, ouais, il a toujours dit, mais frérot, tu vois ce que. Ben après, il a pas nié qu'il a écouté du off. Tu vois ce que je veux dire? Il a pas Ça. nié qu'il a écouté du off. Parce que déjà, genre, je sais pas, t'as vu, les deux là, ils sont envoyés un petit pic, genre Maes et Ninho. Genre Ninho, il a envoyé la force à Maes, mais genre bizarrement, Maes, comment Ninho, il écoutait quoi? Il écoutait Rof, pleure pas. Je sais pas pourquoi il a fait ça, tu vois. Après, Maes aussi, pareil, il a envoyé la force à Ninho pour son album Refait, mais il a écouté le truc Balance. Tu vois le morceau Balance, Mafia Capri. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je Balance, sais pas, tu vois. j'ai Tu vois, l'autre il dit pleure pas et l'autre il le traite de balance, je un sais tout pas. rouge, balance. Tu veux tout rouge, tu te reconnais, on peut pas t'aimer. Nanani, nanana, où est l'intérêt? Eh, franchement, ce morceau-là c'est lourd. Hein. Il est Eh, les gars, je vous conseille, si vous connaissez pas Balance, les gars, tapez Balance, Mafia Capri, les gars, vous allez écouter, vous allez voir. Et là, vous allez arrêter de balancer, bande de bâtards. C'est pas bien, frère. Ton cul à faire un tour de magie assis sur une bouteille. Ah non, Oh, c'est un plaisir. mais non, frérot, c'est des malades, frère. Moi, j'aimerais bien voir un retour de la Mafia Capri. Parce que là, justement, quand j'ai écouté l'album, je sais plus, il y a un morceau, à la fin, il dit Mafia Capri. Tu vois, je veux dire, il parle de la Mafia Capri. Peut-être qu'il y a un truc qui va, tu vois. Et du coup, on était où? L'expérience. Ok, on a écouté l'expérience. Attends. Non, moi, pour moi, je kiffe. Là, du coup, on va écouter Antibiotique avec Naps. Ok. Ok. En plus, celui-là, genre, il dit ok. Tu sais, il vient d'où ça? Le ok, là. Ok, c'est vrai que ça vient d'un truc Scarface. Mais c'est qui l'utilisait tout le temps? C'était Rof à l'époque. Ok. Et tu vois, et comme Naps, il kiffe Rof, je pense qu'il a écouté dans ça, tu vois. Il fait ok. Et maintenant, tu vois. Vas-y. Du coup, allez, antibiotique, les gars. C'est un médicament ou pas? Oh, merde. Ok, je vais entendre le ok. Est-ce qu'il va le faire ou pas? Capuché au volant, j'accélère, je suis pensif. Je m'appelle pour des histoires, jamais pour le positif. Elle veut que je la sponsorise sans jamais me soutenir. Trop des grands problèmes. Là, tu vois, il a fait un peu de l'autotune, mais ça passe crème. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'avais même pas remarqué. Ouais, moi aussi, mais genre, je sais pas, j'ai. Tu vois, comme il a dit, t'as percé l'oreille, j'ai percé grâce à mon oreille, tu vois. Donc là, tu vois. Et là, j'ai entendu le petit OK des Naps derrière. Des souvenirs, reçus comme un élire, personne m'en veut.
pas un navire. Mes ennemis m'admirent. Wesh, l'ancien a de la vire. Prends du poids sans grossir. J'suis pas un star, ça fait zizir. Ça, c'est pas un truc de la Marseillaise, là, la prod. Comme tu l'as dit, je prends du poids sans grossir. Il prend du poids sans grossir, ouais, je sais pas comment tu fais. Moi, j'aimerais bien prendre du poids sans grossir. Moi, je prends du gros, hey, moi, je prends du poids, j'ai grossi sa mère, tu vois. Bref, non, mais la prod, j'en suis sûr que ça a été fait à Marseille ou c'est comment? Parce que eux, ils aiment trop ces bails comme ça, là, tu vois. Écoute bien. Sur la tête de Pépé, elle veut plus la dot que le cumé. Et sa pension que le bébé. Mais l'amour en teubé, j'aime voir les frères au top. En heureux à Dubaï. Non, 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 franchement, non. Là, il a fait le taf, là. Là, on va, vas-y, on va, je vais écouter mon pote Neps. Ils sont trop de mes queues, car c'est mon alias coloré. Disque d'or et diamant, et je fais plus de joie, mais là c'est carré. Je suis sous critique, alors la chica, je la récupère, y'a un Benfica. Ils ont misé en synthétique, avant vendre des antibiotiques, j'ai un frère au bon mec. J'ai des frères qui sont partis, j'en. Enfin, poto, là, je pense que cette vidéo elle va pas sortir. Je sais pas pourquoi. Le strike, il va arriver là. Dès que la vidéo est arrivée, oh, droit d'auteur! Tac! Ah, frérot, ça veut dire qu'on aurait fait 2 heures de trucs, tu vois, finalement, pour que la vidéo ne sorte pas. J'espère qu'elle va sortir, les gars, j'espère. Parce qu'en vrai, l'album. Tu peux pas donner ton avis, tu peux pas donner ton avis sans que, je sais pas, il faut que tu écoutes le morceau, tu vois. Et en vrai, je sais pas pourquoi ils mettent leur truc des droits d'auteur. Faut pas qu'ils nous embêtent pour ça, frérot. On est là, on kiffe, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Justement, si on met les sons sur notre chaîne à nous, c'est qu'il y a, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on a kiffé, ah ouais, tu vois. Donc là, s'il vous plaît, pour les histoires des droits d'auteur, t'as vu, soyez un chillant, les amis. Si on met le morceau du début à la fin, ok, mais on met 30 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 45 secondes, c'est R. Tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est pas ça qui va te manger, qui va voler ton pain, frère. Eh, laisse-nous gagner un peu de pain aussi, frérot. Oh. Et toi, pourquoi t'as menti en bord de mer? Non, ce morceau-là, gros, je pense que celui-là, les gens vont le saigner. Hein. Celui-là, les gens, ils vont le saigner de ouf. Ok, du coup, là, on va écouter. Là, maintenant, c'est Poésie du Easy. Ah, aïe. Là, ça va rafaler, tu penses? Tu vois pas? Tu vois pas, là? Poésie du Easy. Donc, putain, pense... il a fait un son de Dadouzi aussi. Ah, qui? Dad. Ah, Daouzi? Ah, je sais pas si un jour, ils vont faire un truc ensemble. C'est vrai que lui... Lucie, j'ai vu que Lucie. Ah, c'est la vraie rue aussi. Hein. Non. Ouais, c'est la rue, mais je sais que Lucie, il a kiffé, Rof, tu vois. Après, hey, aujourd'hui, la vérité, je vais pas vous mentir. Mais tous les rappeurs que tu vois actuellement, ils ont déjà écouté du Rof. Mais il ne peut pas les mentionner, pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que s'ils mentionnent Rof, ils ne peuvent pas faire un featuring avec un tel. T'as capté ou pas? Donc, tu vois, ils écoutent en secret Rof, ils ont écouté du Rof, ils vont dire non, t'as vu, c'est pas mon délire. Et c'est comme les rappeurs qui disent, ouais, il y en a, tu vois, ce que j'aime bien, il y en a, ils sont intelligents, ils disent, ouais, j'écoute pas du rap français. Genre, ils écoutent que du rap américain, sachant qu'ils sont en France. Mais en fait, je pense que c'est pour éviter les questions pièges, tu vois. Je pense que c'est pour éviter, est-ce que t'as déjà écouté un tel, tu vois. Du coup, c'est pour ça qu'ils préfèrent dire, non, moi, c'est mon truc, moi, mes références, c'est en Amérique. Alors que poto, ils comprennent pas ce qui se passe là-bas. En vrai, ils écoutent que du son français. Bah oui, frérot, la vérité, moi, personnellement, là, les rappeurs qui sont là, dire, ouais, non, moi, mes références en Amérique. Qu'est-ce que tu vas faire en Amérique, en France, frère? Tu vis pas là-bas, tu vois. Donc moi, personnellement, je dis, c'est des gens, en fait, ils sont pas fiers. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Parce que l'ambiance de là-bas et l'ambiance d'ici, c'est pas la même chose, mon ref. Ok, là-bas, c'est la rue, c'est des ouf. Mais ici aussi, il y a des trucs de ouf, tu vois ce que je veux dire, mon ref. Et oui, c'est comme l'autre, il a dit, à Marseille, à Paris, c'est que la ville de, tu vois, pas la mode, machin, tout. C'est un rappeur, là, je sais pas comment il s'appelle, d'ailleurs. Le mec, là, qui s'habille comme une meuf, là. Tu sais, il a tout le temps des trucs chelous là, c'est un roulant. Ouais, bref, il avait dit un truc comme ça, même tous les rappeurs, ils ont réagi par rapport à ça, tu vois. Que ouais, à Paris, c'est pas que la Fashion Week, je sais pas quoi, tu vois. Alors, du coup, on n'a pas écouté, hein. On a écouté ou pas? Ah ouais, non. Alors, pour Easy du Easy. Allez, faut qu'on fasse vite, les gars, parce que mon Google, là, il doit partir. Un américain. Pas les couilles de marquer l'histoire. On a la nôtre, on est tous félicités. Personne ne revient à vie. Quand l'ange de la mort félicité ton âme, on se cherche. Ah ouais, bah oui, un poésie du easy, mon pote. Il allait kicker, il allait arroser, mon ref. On dirait qu'il a baissé l'instru au max. Juste pour qu'on entende rien que lui. Qu'on attend que lui, tu vois pas.
entre le bien et le mal, entre l'ancien monde qui nous manque et les nouvelles d'art mondial, entre un cœur sensible, un amour vénal, anime un récit pour éteindre mes flammes, flammes, flammes. La violence me perd quand la colère me gagne, gagne, gagne. Dominer son ego, c'est transcender son calme, calme. Trop de speech, mais pas une soin tapée dans la calme. Qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est bien, c'est bien. Elle est bien? Mmh. Moi je kiffe, moi je kiffe. Je kiffe pour le moment, là jusqu'à là, j'ai pas encore été déçu. Il y a quelques morceaux, genre je dis ouais, je vais réécouter, tu vois, derrière. Mais je suis pas déçu pour le moment, tu vois. J'ai un pied sur la lune, l'autre sera un neuf. Plus moi j'ai des preuves, plus j'en ferai tâcher d'œuf. T'as entendu ce qu'il a dit au début ou pas? T'as entendu ce qu'il a dit ou pas? Avant de une moche, il va faire un chef-d'œuvre, je sais pas quoi. T'as pas écouté? Sur la lune. Non, attends, écoute. Hein. En musique rare comme un souvenir d'amnésique. J'ai un pied sur la lune, l'autre sera un neuf. Plus moche et des preuves, plus j'en ferai un chef-d'œuvre. Caractère nucléaire, enfer, et un keuf. Ah mon gars, ça là. Ah mon gars, caractère, moi j'ai tout, plaire un keuf, je crois qu'il a dit à la fin. Ah, c'est l'estomac, frérot, c'est. Pression, coup de poker, que des regards remplis de bluff. L'être humain ne l'aille plus, j'en ai aiguisé ma plume. Sentiment calciné, jour et nuit, mon cœur brûle. Brûle, famille désertée. Non, il est chaud. Il est chaud, frère. Moi j'aime bien, moi, tout ça. Franchement, il est chaud. Moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé. Poésie du Easy, poteau. Il rafale, tu vois. Moi j'ai kiffé. Sécurisé, ça tu le connais quand même. Ça, celui-là il est sorti à un moment, sécurisé avec El Dadio. En plus, regarde, il a 6 millions de trucs d'écoute. Tu vois pas? Non, moi j'ai même pas de profil fait des sons avec Dadio. Tu l'as jamais écouté? Avec. Franchement, le morceau il est. J'avais même fait une vidéo là-dessus. Là, avec les deux frères quand même, hein. La prod est franchement les élèves. Ça va aller avec les meufs. Hein. Ah, gros, il est énervé. Et là, je vais. Attends. Ouais. L'amour prend toujours feu. Ne déclare pas ta flamme. Ton vieux mari prend mauvaise femme. Meilleur rappeur prend mauvais fan. Si je t'aime, dis-toi mes entrailles. Fais que tu ne joues pas de mes failles. Là, là, c'est pas genre. Là, il a pas fait un petit pas en arrière, genre en mode hysteric love. Tu écoutes la prod. Tu, pas la prod, mais genre, tu écoutes son flow. C'est le même. Tu vois, dans Hysteric Love avec Kamel Bent et tout. Ouais, c'est un peu toujours là. Voilà. Mais la vérité, c'est ça. Mais là, la grosse, il n'y a rien à dire. De toute façon, c'est l'homme qui a plus de flow dans le rap français. Il change des techniques, il change de voix, il change de tout ce que tu veux, frérot. Il t'est triple, en fait, tu vois. Mon avion, donc je peux fly. T'es triple. Quand j'en du travail, le matériel n'est essentiel pour ceux qui ne savent pas faire un cry. Ah, le bâtard, il a envoyé un petit pic aux femmes. Il a envoyé pour les femmes qui savent pas faire la magie. Pour ceux qui savent pas faire. Ouais. Oh, ouais, c'est ça. Ils vont acheter l'espèce de machin bizarre là où tu mets tout dedans là. Même genre, comment il s'appelle, la Bilal avait mis un truc et demandé est-ce qu'il les ouait. Tu vois, c'est dingue, frère. Mais jusqu'à. Moi, le jour où ma femme elle achète un truc, bah, comme ça, vas-y, ouste. C'est quel bail? Genre, tu vois, genre, en fait, c'est un truc, tu achètes et tu mets tout dedans. Tu vois pas? Et c'est genre c'est le robot qui fait tout, tu vois, bah le robot, tu m'as pas pris. C'est, je sais pas comment on appelle ça, l'autocuiseur, quoi, le truc qui fait tout, tu vois, à ta place. T'as toujours. Genre en fait tu mélanges tout dedans. Et après, je sais pas. C'est. Pour moi, c'est la facilité, tu vois. Moi, quand tu prépares un repas, c'est avec amour, c'est un truc, tu viens, tu l'as fait avec tes mains, tu vois, t'arrives là, tu manges, c'est trop bon, tu vois. Eh oui. Moi, t'es sûr que c'est bon. Tu m'as folle. Je sais pas comment elle a eu mon phone. Bah frérot, la vérité les gars, franchement, le morceau là, tu vois, c'est pas la peine de revenir là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. J'ai donné mon avis, le morceau il est posé, il est lourd, il est énervé, tu vois. Donc là maintenant on va passer, ça bouge pas. 8e. De, tu vois pas. Ça bouge pas. On verra si ça bouge pas. Hein. Ah.
bouge pas. Je te parle français dans les yeux et ça ne louche pas. Mais qui es-tu? Tu me veux, tu dégages toi. Je te parle français dans les yeux, ça ne bouge pas. Ah gros. Là. Par contre, tu vois, la prod elle est vénère. Mais encore j'ai un problème avec l'autotune, tu vois. Mais ça va, il est bref en fait. Mais après je peux pas le donner, tu vois, je peux pas. Moi je, les gars, moi je raconte, moi je donne mon avis, tu vois, je dis ce que j'en pense. Après voilà, t'as vu, c'est pas moi de dire à Rof ce qu'il doit faire, parce que lui-même il sait, s'il a fait ça, c'est que voilà, il sait ça passe, tu vois. Mais moi c'est moi personnellement j'ai un problème avec l'autotune, tu vois. J'aime pas trop l'autotune, tu vois, j'aime pas du tout l'autotune. Mais je suis obligé de suivre en fait, je suis obligé de, tu vois. Parce que moi je trouve que l'autotune ça gâche tout. Tu vois pas. Moi je trouve que l'autotune c'est la facilité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, je sais pas comment t'expliquer mon ref. Après, c'est pour arranger la voix, tu vois. Genre, c'est vrai qu'il y a des sons, il y a des sons où l'autotune, machin, tout, ça passe mieux. Mais moi, personnellement, moi, je préfère les sons sans autotune, la vérité. Genre, si l'autotune, ça n'existait pas, gros, ça m'arrangerait, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais je suis obligé d'écouter, même si le morceau, il va être lourd, tu vois. Je vais pas non plus, le son, il est là, tu vois. Parce que moi aujourd'hui, en fait, moi, depuis longtemps, moi quand j'écoute du rap, moi, c'est pas le son qui m'intéresse, hein. Moi, c'est les paroles. Tu vois ce que je veux dire quoi? Moi c'est le sens en fait, genre par exemple le morceau, moi le sens en fait, genre qu'est-ce qu'il veut dire par là, tu vois ce que je veux dire quoi? Mais après la prod, ok le son ça devait bouger, machin tout, mais moi je suis un mec, parce que en temps normal, hein, pour un consommateur de rap, en général le rap c'est quoi? C'est un message, en général le rap, c'est un message, on est d'accord pas? C'est un truc, machin tout, il dénonce des trucs, tu vois? Donc c'est pas vraiment les sons, c'est pas vraiment la prod qui m'intéresse, tu vois? Moi c'est juste ça en fait, moi c'est juste ça, c'est le sens de sa phrase, genre le truc, ce qu'il veut dire, machin et tout, moi c'est ça qui m'intéresse le plus. Je sais pas si tu m'as, je sais pas si tu m'as capté. Je vois, je vois. T'as capté ou pas le bail? Je kiffe quand elle est comme ça. Je kiffe. Naturel, mon pote. Naturel. Tu changes rien, mon ami. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu changes pas. T'as pas le droit. Là, tu vois, là, tu m'as obligé à sortir ma voix virile, quoi, tu vois. Eh oui, mon beau gars, bordel. Là, du coup, c'est Ennemi. Ennemi, j'ai déjà écouté. Ça fait Ennemi, c'est dans le truc du machin, la validé. Je sais pas si tu avais écouté. Ouais, ça, j'ai écouté celle-là. Ouais, tu avais écouté? Ouais. En plus, elle était énervée. Oh! 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 Y'a quoi? À part des gyrophares, y'a R, tout le monde est sous une caisse à table dans les portes du Crème, ROH de guerre, dans les feuilles, me noter en moins 18 pétères. Tu vois ça, ça moi je kiffe. Y'a du kickage, mon ref. Y'a du kickage. C'est énervé, c'est. Tu sais ce que je veux dire? Là, ça se voit qu'il a faim, il a la. Tu vois, il a la date, tu vois. Il a, c'est un mec qui n'a pas mangé depuis un moment, tu vois. Là, il a envie de tout niquer, t'as capté ou pas? Tu vois, genre un mec emprisonné qui vient sortir, dès qu'il croise une meuf, mon gars, il est. Ça y est, la meuf, la mesquine pour elle, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Là, il est énervé, là, tu vois. Là, je sais pas, là, on dirait, là, je sais pas comment t'expliquer, gros. Là, il est. Ah, les gars, je trouve pas, il est énervé, quoi, tu vois. Le morceau, il est lourd. On vient contre un père, c'est un traumatisme de guerre. J'ai qui parle dans mon dos, toujours une taupe dans un piano. Heureusement, je suis pas là, non, je laisse mon bigot. T'as vu qu'il a changé de flow ou pas? T'as vu qu'il a changé de flow? Mais j'ai dit c'est bon frère, c'est bon j'ai... Par contre c'est quoi Wesswes? C'est quoi Wesswes? Non c'est un mot qu'il a encore inventé ou c'est quoi? Ça veut dire quoi Wes? Wes? SOS, Wesh Wesh. Ça, Wesswes non. Wesswes? Je sais pas c'est quoi. West Coast non? Non je pense pas. Wesswes. Ah peut-être il a sorti encore un autre mot, genre comme en mode. Tu vois pas. On se parle plus, y'a du West West, on te monte la tête, fais du West West, te save une cave, West West, argent en jeu, y'a du West West. J'ai de l'envie de tirer dessus, je suis son West West. Charles album dans le game, y'a du West West. Jalousie. Mais c'est quoi West West? J'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à suivre. Je sais pas. Après, il dit que West West c'est tout en tout cas. Les gars, c'est quoi West West les gars? Marquez-le s'il vous plaît. Aidez-moi à trouver ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire par là West West? Tu vois? Je pense pas que c'est Wesh Wesh. Hein. Non. Maintenant, il va pas dire je suis ton Wesh Wesh. Ouais, bah oui, ça a pas de sens. West West.
Prouvez-moi, ça veut dire quoi, SOS? Est-ce que c'est en français ou c'est en anglais? Je sais pas, tu vois. C'est comme dans Mawars. Tu vois quoi? Il vend toujours des mots, tu vois. Non, mais ça veut dire quoi? Mawars. Non, mais ça veut dire quoi? SOS, je sais pas, frère. Je sais pas. Il est pour du plaisir à vous séparer. Comme un crâne fendu, j'aimerais les insulter tes morts. Tu les fais une dinguerie, ton nom est fendu. Devant la vendue à la police, il te met par haut à travers des échos dont tes appels. Cambriole. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien aussi. Moi j'aime tous les sons de rock, ça j'aime bien, mais après ce qui est dommage, c'est que celle-là, là, comparé aux autres, c'est qu'on sait pas ça veut dire quoi, West. Juste ça? C'est ça, on va se dire. C'est juste parce que West, c'est pas ça veut dire quoi. Ouais, j'avoue. Mais après, bah non, moi je sais pas, je trouve pas ça dommage. Moi je dis juste que voilà. C'est dommage que tu veux. Ah si ouais, dommage. Imagine, tu dis je suis ton West West, après ça veut dire je suis ton je sais pas quoi, tu vas le dire toi-même, je suis ton West West. Ouais, ça fait chelou, ouais, je vois, j'ai capté. Bah je sais pas, ça veut dire quoi West West, les gars. Celui-là, c'est mandat de dépôt. Ah mon gars, ça c'est pour les gens incarcérés. C'est pour les gens qui sont aux assises là-bas, tu vois. Je pense ça, on envoie des mandats, non? En général, tu vois pas. C'est ça. Du coup, la morale, c'est. Du coup, le délire, c'est quoi? T'as kiffé West West ou pas? Moi, personnellement, j'ai validé. Moi j'ai kiffé le morceau. Après, voilà, tu vois, comme t'as dit. J'aime bien, mais incompris. Il est fou. Genre moi j'ai kiffé quand il a parlé de ça là, genre il fait style en mode dernier rappel, c'est matons. Ouais, les matons. Moi j'ai kiffé, c'est première deuxième tour, première fois, t'as vu ou pas? Wesh l'arrivant, t'es là pour quoi? Ah tu sais, moi ça fait nanani nanana nanana, c'est qui? C'est Taylor, ça, ouais. Iqbal avec Alain Delon. Ouais gros, celui-là là d'ailleurs, dès que je vais aller l'écouter après. Promenade, deuxième tour. Oh c'est beau, femme tag. Ouais, j'étais là pourquoi? Ah, tu sais, moi, ça fait des nanas que je prends des terres, hein? Non, non, il est énervé. Du coup. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'es vacciné, poteau. On est toujours plus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, il parle des mecs de la rue. Hein. Non, mais ouais, mais le son. Parce que tous des mecs enfermés. Moi, je dis que le. Après, c'est du off. C'est du off, mon ref. C'est du off. On peut pas dire, je sais pas. Tu vois, là, on continue, mais frérot, l'album, il est pas fini. Hein. Ah ouais, frère, non, il est énervé, gros. Ok, là on va passer valeur inversée. Valeur inversée. En plus, le morceau dure 5 minutes 26. Donc en fait, ça veut dire, je pense que ça doit être un morceau qui est du kickage, pas de refrain. Mais en général, quand il fait des morceaux comme ça, c'est 7 minutes, tu vois. Moi, je kiffe quand il fait des morceaux 7 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Il se livre. Il est là, il est en mode gros. La gorge en mode. Tu vois, il a soif, mais vas-y, il enchaîne, tu vois, parce qu'il est déterminé, tu vois. Donc ça, je pense que valeur inversée, ça doit être un délire comme ça. Tout y a bien changé. Et le diable apprend beaucoup de l'homme. Ah ça c'est sûr. Le vrai sonne faux. Ça c'est vrai. Le faux sonne vrai. Ah ouais mon gars, le faux sonne vrai. Valeur inversée. Le monde d'avant est fini, le temps s'est arrêté. Période de vache maître que je viens traire sans pitié. Nouvelle lecture d'une nouvelle société. Là, il est pas parti en mode comme Dounia là. T'as déjà écouté Dounia ou pas? Non, le morceau Dounia. Tu as jamais écouté le morceau Dounia? Oh frérot, t'es sérieux toi? T'as jamais écouté le morceau Dounia? Non, peut-être si tu l'as déjà écouté, mais peut-être le titre ça te dit rien. Du quoi dedans? Poto, c'est. Quand on est... Attends, il dit quoi? Mais il parle de tout en fait, il parle de Dounia en fait. Dounia c'est la terre en fait, tu vois.
Tu vois ce que je veux dire, quoi? Dounia, c'est la terre, en fait, en gros, bah, ce qui se passe, en fait, tu vois. Et genre, il dit, par exemple, il dit, machin, il arrête. En fait, en gros, c'est un message positif, en vrai. En gros, c'est un truc. Il dit, en fait, il parle de lui, tu vois. Genre, en temps, non, genre il arrête la prière, il reprend la prière, machin, tout, tu vois ce que je veux dire. Genre, on vit, un jour on meurt, par exemple, tu vois, c'est un truc comme ça. Bah, je sais pas s'il a dit ça, là, je me rappelle plus exactement le morceau. Mais je sais que Dounia, c'est quand on est fort, qu'on faiblit, quand on se souvient, qu'on oublie, cousin, demain c'est aujourd'hui. Ici il est presque minuit, je sais pas, ouais, un délire comme ça. Et en fait, en gros, non, franchement, faut que tu écoutes Dounia. La vérité, écoute le morceau, il est vénère. Même justement, dans Dounia, même il y avait l'autre là, le mec qui se faisait passer pour un musulman là. Qui clashait tous les rappeurs, là, genre, ouais, genre, en gros, il est là, il prend un morceau, il dit c'est chétan, machin et tout, genre, ouais, ce que tu dis, ce que tu fais, t'as vu quoi? Parce que Dounia, en fait, c'est dans le morceau PDRG, tu vois pas? Mm-hmm. Il a dit pouvoir, danger, respect et game, donc en fait, il y a tout dedans. Mais sauf que l'autre là, comment il s'appelait le mec, frère? Même il a disparu, en fait, il a fait des bails chelous, les gens, ils le suivaient, mais après, tout d'un coup, il a sorti un album, tu vois, genre il parlait de tout ce qui était contraire. Tu sais, le truc des Illuminati, voilà, il s'appelait Illuminati, je crois, un truc comme ça. Le mec. Non, ça c'était le truc qu'il faisait, je vois, c'est qu'il. Même qu'il appelait Maître Gims, Maître Chips. Ouais, voilà, lui là, voilà, ce mec là, tu vois. Ce mec là, d'ailleurs, il a disparu, je sais pas où est-ce qu'il est. Tant mieux, frère, parce que. Il a fait des coupées, putain. Non, mais il faisait des dingueries, frérot, la vérité. Ah ouais, gros, il faisait des conneries, tu vois. Genre, en fait, il avait voulu les abonnés, il avait voulu les trucs, les gens le suivaient et tout. Et à la fin, quand il a sorti un album, il parlait que ça, il parlait des trucs, genre, soi-disant, qu'il est rappeur, machin et tout. Et lui, il a fait ça. Tout le monde était déçu, tu vois. Ouais, frérot. Mais moi, à un moment donné, je le suivais, tu vois. Mais moi, à un moment donné, je disais, c'est vrai que la musique, c'est pas bien, tu vois. La musique, c'est haram. Mais aujourd'hui, si t'es là, tu dis la musique, c'est haram. Et finalement, toi, tu viens, tu fais la même chose. Alors qu'avant, lui-même, c'était un rappeur. À l'époque, c'était un rappeur, tu vois pas. C'était un rappeur. Même dans ses clips, il montrait des meufs, tu vois ce que je veux dire, il montrait des bouteilles, tout ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et après, peut-être, je me suis dit, c'est repenti, genre, il faisait la prière, donc il était devenu quelqu'un d'autre. Et finalement, il s'est fait emporter par la vague, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça veut dire, peut-être l'oseille, peut-être il a gagné tellement de thunes, que bah, il s'est dit, vas-y, je vais faire du rap là-dessus, il va gagner des thunes. Et finalement, bah, tout ce qu'il disait, c'était pas cohérent, quoi, tu vois ce que je veux dire. Parce que maintenant, tu es là, tu te dis, machin, tu viens nous donner des leçons morales. Et finalement, tu viens, tu fais pire que ce que tu dis, tu vois. Donc, il est où le truc, tu vois. Et voilà, c'était ça. Du coup, le morceau mandat de points. Non, c'est valeur inversée. Mon écriture est haute couture, son fleur note pistée. Je suis liqué, ton lien en laisse par QR code IP. T'as pas les reins qui étaient occupés à te photoshopper. Sans décodeur, sans travesti l'honneur, superficialiser le bonheur. Déguiser le mal en bien pour la surconsommation. Putain, clic, pour pas vite. Non, il est chaud, la vérité, il est chaud. Mais t'as pas remarqué qu'aujourd'hui, il y a. Waouh, attends. T'as vu, genre, en fait, là, je viens juste de voir, en fait, le. Plus les années passent, plus le rap, en fait, il est les trucs, ça dure pas longtemps. Tu vois, avant, c'était 3 minutes, 4 minutes, les morceaux. Là, regarde, je vois, il a fait des morceaux des 2 minutes, frère. Après, il y a des morceaux, par exemple, ils vont durer 4 minutes, mais sur les 4 minutes, il y a une minute d'instru au début. Ah, genre, ouais, il laisse tourner. Il va durer 30 ouais, secondes. Oui, non, mais Rof, non, Rof, lui, non. Non, mais pas, fait, pas Rof, tu parles. Oui, oui, je parle des autres, ouais, c'est vrai. Mais à l'époque, Rof, c'est vrai que quand il lançait des trucs, moi, je voyais pas, il a jamais fait des morceaux de 2 minutes. Si, il avait fait un morceau de 2 minutes, mais c'était l'instru de. C'était un truc. Il fait. C'est le king de la banlieue sud, best oui, comme d'habitude. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, ça oui, en plus il était énervé le morceau. Mais là, genre, la vérité, je te mens pas que là je viens de voir les trucs. En fait, il a des 2 minutes 55, 3 minutes 22. Tu vois ce que je veux dire? Le seul morceau qui a duré longtemps, c'est celui-là à 5 minutes, tu vois. Et encore. Encore, parce que quand il fait des longs morceaux, poteau, c'est 7 minutes, voire 8 minutes. Tu vois ce que je veux dire, mon bref? Moi je vais aller, 21h. Vas-y. Bah, les gars, là du coup, je vais continuer la vidéo tout seul parce que là mon frérot il doit partir. Bah, en tout cas, merci à toi, mon ref, d'être venu. Rien. Et sinon, pour ça, sur ça, qu'est-ce que t'en penses toi? Pour l'album. Ce sont là ou non, l'album. Moi j'avais jamais écouté. Après, c'était comme je t'ai dit, c'est des petits trucs que j'ai écoutés, c'est pas en entier. Ouais, tu vas écouter à la maison c'est pour ça, ouais. Que tu sois dedans quoi. Ok, vas-y mon frérot, vas-y à la prochaine. En tout cas, merci encore d'être venu, tu vois. Ouais. Je suis désolé, hein. Non, vas-y mon ref. Moi, je vais continuer du coup. Je vais continuer la vidéo tout seul, je vais écouter le son et.
Voilà, du coup, bah, je vais fermer. Okay. Ouais, j'ai fermé la clé. Ouais. Allez, c'est tout. Vas-y, vas-y. Ok. Du coup, je vais écouter le morceau ici et c'est parti. Hein. Les informations, BFM n'attise que la division. C8 la perversion, placement de produits. Dubaï y'a plus les codes promo de la corruption. Tous les que vanité, divertissement. Dois-je rester les bras croisés, valider l'abrutissement des nouvelles générations. Non, franchement non, il est énervé les gars. Moi je vous dis, il va le renverser. C'est du testament, c'est du Dounia, c'est du c'est tout quoi, tu vois, comment Génération Sacrifiée, bah je sais pas, pour les gens qui connaissent Génération Sacrifiée, pour toi c'est... Je vous conseille d'aller l'écouter, c'est énervé, c'est des morceaux énervés. Et voilà, moi je kiffe personnellement. Donc du coup, on va passer directement le bilan. 13 morceaux pour CD2. Le bilan, on fait le bilan. C'est qui ça le bilan? C'est pas Negmaron. On fait le bilan. Et ouah. La rue a pris mes refrains. Certains ont suré. Beaucoup incarcérés. Ah, il est vénère, il est vénère. Attends. Ouais, je pense qu'ici, il y a moins de prendre un strike. Hein, ici. Je pensais à moyen ce qu'ici. Ça passe quoi. Non, franchement, non. Je kiffe. Pour en faire un petit comme les marrons, trafiquant de plastique à acide, je vends à la durée comme la putain de macaron. À bout pourtant dans le biberon. Ah, il a placé une pour Negmaron, les gars. T'attends pas ou quoi? Eh oui, Jackie! C'est Jackie, les gars. Hein? Donc, ouais, Negmaron, si. Bon, on fait le bilan. Je m'en rappelle plus c'est quoi les trucs, mais je sais que le morceau s'appelle comme ça le bilan. Franchement, non. La vérité, moi, les gars, il m'a jamais déçu. Et là, encore une fois, bah, là, tu vois, il a encore prouvé au monde. Il a prouvé au rap français qu'il est là, frérot. Il était là avant et voilà. Il va rester là, il va regarder, tu vas rester au sommet, il va regarder les gens, qu'est-ce qui se passe, salut toi, tu sais, il va regarder les gens, salut toi, tu sais qui je suis, j'étais là avant toi, mais t'inquiète pas, je suis là. Eh oui, c'est le patron, frérot, pour moi, c'est plus du off, en fait, tu vois, c'est la légende, en fait, tu vois. Écoutez que l'homme parle, je les trois faire les fanfares, le cerveau aspiré par le gars Stéphane. Ah, je valide fort. Ok, bah c'était le dernier morceau, hein, c'était le dernier morceau. Ok, c'est le dernier morceau. Bon les gars, je sais pas ce que vous en pensez vous. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker les gars, on est ensemble. Et là, c'était Big Daddy, les frérots. Sur la chaîne, certifié par la street, voilà les gars, c'est parti. Je me passe d'un BRC, je veux dire que c'est la réussite, j'inverse le temps comme un ministre, et sur l'essentiel en venant de Russie, je veux laisser l'image.